Je vais vous donner le chiffon dont je vous ai parlé. Tiens, Roman. Roman, tu es avec quelqu'un ? Avec Charlotte. Avec Charlotte. Toutes les deux, vous irez vous promener dans la salle, comme je vous l'ai expliqué, et vous essaierez de transformer ce morceau de tissu. Il va devenir quelque chose. Charlotte, elle n'a pas encore d'idée, moi j'en ai une. D'accord, donc vous essayez d'en trouver une ou deux ensemble. D'accord ? Alors, je vais donner les autres chiffons. Tenez, les autres morceaux de tissu. Voilà, vous l'ouvrez bien. Merci. Vous avez tous trouvé quelqu'un ? Oui. Allez vous lever et aller dans la salle. Vous placez, debout, assis, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous faites, les filles ? On a quatre idées. Je sais. Un oreiller. Un oreiller. Je sais plus. La tête. Vas-y, un plâtre et un chapeau. Moi, le plâtre et elle, le chapeau. Montrez-moi. Le plâtre, qu'est-ce que vous en savez ? Le tissu est devenu un plâtre. Oui. Et moi, le chapeau, c'est... Le chapeau, Marion ? Comme ça. Un bandage. Un bandage. Vas-y, montre-moi. Une capuche. Ah, montre-moi. Alors, comment est-ce que tu fais ? Sur la tête. Alors, la capuche qui se met sur la tête. D'accord. Et toi, est-ce que tu avais trouvé quelque chose, Oui. Un masque. Ah, un masque, vas-y. Je vais faire un avion. Ce chiffon peut devenir une jeep. Alors, mets-toi bien debout pour qu'on voit. Regardez ce qu'elle a fait, Cléa. C'est devenu une jeep. Moi, c'est devenu une table. Voyons. Ah, elle est déjà prête alors. Devenue une piscine. Ah, une piscine. Pour se baigner. Oui. C'est devenue une serpillière. Ah, pour faire quoi? Pour nettoyer les microbes. Ah d'accord, pour nettoyer le sol, enlever les microbes. Tu nous montres comment tu fais? Regardez ce qu'elle a fait, Anaïs. La serpillière.